Bonjour à tous, on se retrouve pour tester un nouveau produit. La marque Auchan, Rossignol bleu, rouge, un doux parfum d'antan. On va tester aujourd'hui le savon de Marseille. Parfum de synthèse, mot pas bon. D'ici liquide, frais et parfumé. Alors 37, je sais pas quoi. 37 paniers, on peut faire 37 paniers manifestement. Alors c'est voilà pour 30 degrés et 60 degrés au lavage. Savon de Marseille, voilà. Mais bon, c'est un parfum de synthèse. Ça. Pourquoi ça sent? Ça sent l'odeur du savon de Marseille. Alors. Lessive liquide. Oui, c'est pour faire la lessive. 5% ou plus, moins de 15% agent de surface anionique. Moins de 5% de savon agent de surface non ionique. Également parfum enzyme azurant optique, conservateur et autres produits chimiques. Alors qu'est-ce qu'ils nous disent? La soie, pas de soie, faut pas de soie. Zéro, ça il faut pas. Ça, je ne sais pas ce que ça veut dire. 10 litres, je sais pas ce que ça veut dire. Faut mettre 10 litres. Faut mettre 10 litres dans le petit. Je sais pas. Ça veut dire eau douce, eau moyenne dure, eau dure. Ah oui, ça c'est en fonction de la dureté de votre eau. Il faut connaître la dureté de votre eau. Moi, j'en connais pas. Et ça, c'est le nombre. Donc, il y a un gobelet. Un gobelet, je pense que c'est ça. Hein, c'est le bouchon. Le bouchon qui fait office de gobelet, hein, représente 100 millilitres. Ouais, bah ouais. Oui, il y a une graduation, je suppose. Ou pas. Ou non. Est-ce qu'il y a des graduations? Bah non, non, d'accord. Disons que c'est pas le gobelet, il faut avoir son propre gobelet. Oui, il y a des risques. 2 litres, presque 2 litres. Ça fait presque 2 litres. Oh, oui, avec une poignée, une grosse bouteille avec une poignée, ça fait 2 litres. C'est bien pour la musculation. C'est bien pour la musculation. Alors on va ouvrir. On va ouvrir le bouchon. Voilà. Ça s'ouvre facilement. Ah, ça sent. Ah, bah, c'est de synthèse, de toute façon. Ah, oui, il y a des graduations. Là, je ne sais pas si vous allez le voir. Il y a bien une graduation sur le bouchon. Ouais, ici, peut-être de l'intérieur. Où est-ce qu'ils sont? Où est-ce qu'ils sont? Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Il y a plus, mais où est-ce qu'il est? Attendez, je cherche, j'ai perdu les graduations. Mais où est-ce qu'il était? Ouais, ils sont là, ils sont là, ils sont là. Je sais pas si on va pouvoir les filmer. Ouais, ici, vous voyez, 30, il y a écrit 30 là au milieu d'écran. 30, il y a écrit 20 et 30. Peut-être mettre le doigt. C'est là, oui, bon, croyez-moi. Le bouchon. Alors, c'est de couleur blanche. Ouais, ça sent le Mars. Ça sent le savon Marseille. Mais comment? Bon, on va. Le bouchon. Je vais remplir le bouchon. Je vais encore mettre plein par terre. Même pas une goutte à côté. Même pas une goutte à côté. J'ai même pas mis une goutte à côté. Et ça, on le met dans la machine à laver. Ça tombe bien, j'en ai une. Ça tombe bien, j'ai une machine à laver. Et donc on le met dans le bic bio. Ici, vous voyez, je vais le mettre. Dans le premier compartiment. Et puis, je sais pas quoi, l'autre, on va le mettre dans le deuxième, un peu dans le deuxième. Voilà, dans le deuxième. Puis, premier aussi, puis là, je sais pas où. On referme, et puis on appuie sur le bouton.
Départ, mais je ne vais pas faire départ parce que ça va faire du bruit avant de démarrer. Si vous avez aimé mon test, je vais vous dire que si vous avez aimé mon test, mettez un like à ma vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne pour avoir d'autres idées de produits et on se dit à la prochaine vidéo. Moi, j'ai ma machine à laver que je vais mettre en marche. Normalement, c'est sur le bouton départ. Est-ce que ça fonctionne? J'ai déjà du linge. Hein. J'ai du linge. Et on va appuyer. J'ai déjà sélectionné en mode écho. Et normalement, on va appuyer. Et ça devrait marcher. Ou pas. Ça marche pas. Ah si, un bruit. La porte. Normalement, l'eau sort. Ah bah il y a déjà tout le... Vous voyez, normalement il y a l'eau qui sort là. Vous voyez du bien. Vous voyez, il y a de l'eau. Ah ben on va peut-être regarder si ça mousse bien. Est-ce que ça mousse? On va attendre que ça remplisse un petit peu d'eau, que ça tourne 2-3 tours et on verra si ça mousse. Est-ce que c'est bien moussant? Normalement, on va en mettre, parce que c'est du savon de Marseille, c'est pas forcément moussant. Des fois, 10 litres, 15 litres. Bon, quand tu veux. Pendant que ça a rempli d'eau, hein, abonnez-vous à ma chaîne. Bon, ça n'a pas l'air de mieux. Ah, le robinet s'est éteint. Normalement, ça devrait tourner. Il y a de l'eau, c'est savonneux. Eh ben ça s'arrête déjà. Est-ce qu'il y a un petit peu de mousse? J'en ai quand même mis beaucoup. Ah, il y a... Non. Pas beaucoup de mousse. Bah, ça mousse pas beaucoup. Bon, je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas de liker ma vidéo et de vous abonner. Je vous dis à la prochaine.